Yo, salut, salut tout le monde ici sur la chaîne Tefo Fred Beat. Ouais, déjà la pochette que vous voyez là, c'est la sortie de mon troisième album qui sera ce 31 mars. Ok. Bon, aujourd'hui on va se faire un petit tuto. Comment masteriser en automatique sur FL Studio. Restez jusqu'à la fin de ce tuto. Ça va se passer avec le VST Isotope Ozone 8. Restez jusqu'à la fin du tuto et vous ne serez pas déçus. Ok. On s'en va sur FL Studio. Ben, je vais chercher le morceau, on peut dire un morceau à masteriser quoi. Ok, je vais prendre ça. Là, le morceau a juste été mixé, donc c'est comme ça en piste de wave. Ok, je vais le masteriser avec Isotope en automatique. Vous assignez votre piste à un channel du mixeur. Vous allez sur la piste master. Vous faites entrer votre isotope. Ok, dès que Isotope s'ouvre, voici Isotope Ozone 8. Vous venez ici là, Master Assistant. Donc, c'est-à-dire que l'assistant va vous aider à masteriser automatiquement votre morceau, quoi. Il suffit tout simplement de la faire jouer. Et de venir cliquer sur Master Assistant. Maintenant, vous pouvez choisir si c'est le grinding, le CD ou la référence. Ici, on va choisir le grinding en même mode. Ils vont analyser et masteriser votre morceau automatique. Et au fur et à mesure, vous verrez les améliorations, quoi. Dès que c'est terminé, vous mettez sur Accept. Donc votre morceau. Bah, si vous avez un casque, vous allez remarquer la différence, quoi. Là, c'est l'une de mes chanteuses. Elle s'appelle Rosanita. Le titre, c'est Le Souvenir.
passe. Tout ce qui est souri du passé. Nous avons des longs partis. Ok, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker. Ça fait plaisir, évidemment. Likez, partagez la vidéo. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne. Surtout, si vous êtes nouveau, abonnez-vous. Allez sur Facebook, sur la page Tefo Fredbeat. Abonnez-vous. Et sur ce, on se dit à très bientôt pour